Adrien Nwegi, candidat de l'opposition béninoise. Samedi 10 avril, au siège du parti L'Union fait la nation, il a été unanimement choisi par la conférence des présidents de l'Alliance. Étaient présents entre autres Nicéphore Soglo, ancien président du Bénin, et son fils, Léadi Soglo. Cette désignation consacre la fin d'un long processus. Les délibérations ont d'ailleurs duré près de 7 heures. Adrien Nwegi a été candidat à la présidentielle de 2006 face à l'actuel président Yayi Boni. La prochaine élection pour la présidence du Bénin doit avoir lieu en 2011. Partenariat renforcé entre le Bénin et le Burkina Faso. Le président burkinabé Blaise Compaoré s'est rendu à Cotonou le 8 avril dernier. Accueilli par son homologue béninois Thomas Yayi Boni, Blaise Compaoré s'est dit réjoui de cette rencontre. Une visite certes de courte durée, car le président du Burkina Faso n'y a séjourné que 2 jours, mais une visite qui confirme les liens amicaux, politiques et économiques très forts qu'entretiennent les deux pays. Les deux hommes travaillent main dans la main pour développer davantage l'Afrique de l'Ouest, mais ils savent que les deux pays doivent être plus impliqués. Nous pensons que nous avons encore des responsabilités à assumer pour bien sûr que nos deux peuples se connaissent mieux, travaillent mieux ensemble, mais surtout que nous puissions nous impliquer encore davantage dans la construction de ces ensembles communautaires comme la CEDEAO et l'UMOA. Donc je suis là pour partager surtout avec mon frère nos idées sur nos responsabilités respectives. Les deux chefs d'État se sont justement entretenus avec des ministres des deux gouvernements sur ces questions de responsabilité. À l'issue de cette visite, le président Compaoré s'est vu remettre la plus haute distinction républicaine béninoise, la Croix de l'Ordre National du Bénin, par le président Thomas Yayi Boni. Une distinction qui vient récompenser un homme qui œuvre depuis des années pour la paix sur le continent africain. Nous devons mettre la recherche de la paix, la construction de la paix, au cœur de notre action politique. Et je pense qu'au niveau du continent africain, nos retards en matière de développement, en matière de progrès, procèdent avant tout des déficits de paix sur le continent. La paix est donc mot d'ordre du président burkinabé, une paix qui est selon lui facteur de développement du continent africain.